اليوم الخميس 16 مارس 2023، الحلقة 175. Les deux policiers ripoux. Aujourd'hui, jeudi 16 mars 2023, épisode 175. Les deux policiers français ripoux. Pour l'interpellation de Mehdi Ben Barka, le département de la contre-subversion avait besoin de deux véritables policiers français pour collaborer avec le CAB 1 dans cette interpellation de Mehdi Ben Barka en France. Antoine Lopez, qui collaborait avec le CAB 1 depuis plusieurs années, avait proposé ses services pour cette opération. Il contacta plusieurs policiers français et après quelques jours de recherche, il avait trouvé les policiers qu'il cherchait. Antoine Lopez avait négocié avec ses policiers le travail qu'il devait faire et le montant qu'il devait encaisser. Antoine Lopez avait donc préparé le terrain pour Stouki Milo Tunzi, qui avait négocié au nom du CAB 1 avec ces deux policiers et qui leur avait préparé 50% de cet important montant
ces 50%, il devait les encaisser en espèces la veille de l'interpellation. Ces deux policiers étaient de grands corrompus. Ils travaillaient tous les deux à la brigade mondaine dans le SRPJ de Paris. On sait très bien que dans tous les services de police, il y a des ripoux. Il y a des ripoux qui étaient corrompus jusqu'à l'os. La corruption existe bien dans tous les pays du monde. Et on savait très bien que dans les services de la police française, il y avait bien des ripoux, des corrompus. Ces deux policiers français, Louis Souchon et Louis Souchon, officier de police principal, chef de la brigade des Mondaines à Paris, et Roger Voiteau, officier de police adjoint. Chef adjoint de la brigade des Mondaines de Paris. Louis Souchon était en fin de carrière. Il avait dépassé les 50 années. En 1965, Roger Voiteau était âgé de 30 années environ en 1965. Ils avaient négocié avec Stucki, Tunzi Miloud et
ils avaient fixé un montant très intéressant pour chacun d'entre eux. Tunzi Miloud leur avait payé 50% d'avance le jeudi 28 octobre 1965. Le vendredi 29 octobre 1965. Les deux policiers ripoux sont arrivés devant la brasserie Lip, le lieu du rendez-vous de Mehdi Ben Barka à 12h30, heure française. Les deux policiers ripoux sont arrivés sur place à 12h, une demi-heure avant le rendez-vous de Ben Barka. Ils sont arrivés sur place à bord de leur voiture de service, une Peugeot 403 noire, avec l'immatriculation de la préfecture de police. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils étaient 4. Il y avait 2 autres personnes qui étaient avec eux dans cette voiture de police. Ce sont Antoine Lopez qui était assis à côté du chauffeur, le chauffeur habituel de cette voiture, et l'officier de police principal, Louis Souchon. Antoine Lopez portait un déguisement, un chapeau large pour ne pas se faire connaître par Mehdi Ben Barka.
Julien Leny, un truand de la bande à Bouchetès, accompagné également les deux policiers. Tous les quatre sont descendus de la voiture pour attendre sur le trottoir l'arrivée de Mehdi Ben Braka. Devant la brasserie Lip, il y avait sur place trois policiers marocains du CAB 1. Il y avait Milou Tounzi, alias Shtouki. Il y avait Mohamed Halim et il y avait Hassan Ben Youssef. Tous les trois devaient photographier et filmer l'enlèvement de Mehdi Ben Barka. Les policiers marocains attendaient également l'arrivée de Mehdi Ben Barka. Vers 12h30, Mehdi Ben Barka est arrivé sur place à bord d'un taxi. En descendant du taxi, Mehdi Ben Barka était accompagné du jeune étudiant marocain Tammy El Azmouri. Tammy Ben Barka venait en direction de la brasserie Lip en compagnie de Tammy El Azmouri, qui lui avait communiqué son dossier sur les archives indispensables pour le film documentaire Basta. Le film qui devait parler
de la colonisation et de la décolonisation. Les deux policiers français, Ripoux, voyaient pour la première fois Mehdi Ben Barka. Ils se sont dirigés vers lui et lui ont parlé avec beaucoup de respect avec beaucoup de politesse en lui expliquant qu'ils étaient des policiers français. Ils lui avaient montré leurs insignes et leur carte professionnelle. Mehdi Ben Barka a vu ses cartes professionnelles et ses insignes de police avant de les remettre à ces policiers français qui lui ont demandé ces pièces d'identité. Ils ont vu Mehdi Ben Barka leur a remis la seule pièce d'identité qui était un passeport diplomatique algérien. Ces deux policiers français n'ont posé aucune question et ils lui ont remis son passeport diplomatique algérien avant de l'inviter poliment et très gentiment à monter dans leur voiture de service. Mehdi Ben Barka aurait préféré entrer dans la brasserie LIP et reporter le rendez-vous à plus tard. Ce rendez-vous de Mehdi Ben Barka était très important. Car lors de ce rendez-vous, ils vont discuter les derniers détails de
de sa participation dans le film Basta, et ils vont lui remettre un chèque très important de 50%. À titre d'avance. Mais comme les deux policiers ripoux français insistaient pour le transporter vers un lieu inconnu où il devait, où Ben Barka devait rencontrer une personnalité très importante, Mehdi Ben Barka avait fini par accepter d'accompagner ces deux policiers français. Il est monté dans la voiture de police de son plein gré. Il est monté dans la voiture de police, en arrière, dans le siège arrière, sont montés à ses côtés de la gauche, Roger Voitou, l'officier de police adjoint, et de la droite, Julien Leny, un truand de la bande à bouche sèche. Dans le siège avant de la voiture de police, il y avait Louis Souchon, officier de police principal, qui conduisait, et il y avait à ses côtés Antoine Lopez, portant comme déguisement ce chapeau très large. La voiture de police avait pris une direction inconnue. Personne ne savait où allait vraiment cette voiture de police. Elle avait pris une destination inconnue qui était en réalité la destination de la villa à George Bush Sèche à Fontenay-le-Vicomte. Après
après avoir filmé et photographié cet enlèvement de Mehdi Ben Barka, les trois policiers marocains avaient pris la même direction que cette voiture de la police française. Mais ils se sont arrêtés dans un téléphone pour téléphoner à la villa et rendre compte à leur patron, Mohamed Achachi, à qui ils ont dit que Mehdi Ben Barka est tombé dans le piège du Cap 1, le coulis est prêt dans un instant. Il sera entre leurs mains à la villa de Bouche Sèche. Et ils ont raccroché avec Mohamed Achachi. Ce dernier avait immédiatement téléphoné au Maroc, à la permanence spéciale de la contre-subversion, du département de la contre-subversion, pour laisser un message urgent au général Mohamed Oufkir et au commandant Ahmed Limi. Dans ce message, il disait que le colis est prêt. Le colis est prêt. Le colis est prêt pour le transport au Maroc. Le commandant Ahmed Limi, qui était en mission à la capitale algérienne pour préparer l'arrivée en Algérie du roi Hassan II pour participer au sommet de l'unité de l'organisation de l'unité africaine prévue
en novembre 1965, à Alger. La veille de l'enlèvement de Mehdi Ben Barka, le 28 octobre 1965, le commandant Ahmed Limi n'avait pas l'intention de voyager à Paris. Il avait contacté par téléphone son collègue Abdelhaq Hachachi pour lui conseiller de se rendre en France et d'emporter avec lui un porte-document plein de devises fortes. Le lendemain, le vendredi 29 octobre 1965, le commandant Ahmed Limi avait changé d'avis. Il avait pris la décision de faire ce voyage à Paris. Ce voyage à Paris et incognito. Pour faire ce voyage incognito, Ahmed Limi avait pris son avion militaire, l'avion militaire mis à sa disposition pour cette mission à Alger, et il est retourné immédiatement à l'aéroport de Fès-Seyss. Le roi était à la ville de Fès, dans son palais habituel. Au palais de Fès, au palais royal de Fès, le commandant Ahmed Limi avait discuté tous les détails en tête à tête avec le roi Hassan II. Le roi Hassan II lui avait rappelé
que lui et au frère, il devait enlever Mehdi Ben Barka et le faire disparaître immédiatement et définitivement. Après avoir reçu toutes ces précisions, il avait pris son avion et donné des instructions au pilote, aux deux pilotes, pour aller vers la capitale française. Lorsqu'il est arrivé à Paris, il est descendu dans l'un des aéroports de la région parisienne, de la banlieue parisienne. Lorsqu'il est descendu de l'avion, il n'y avait personne qui l'attendait. Il est allé directement à la station du taxi et a pris un taxi à destination de la villa de Bouchesses, à Fontenay-le-Vicomte. Et lorsqu'il est arrivé à la villa de Bouchesses, il avait mis des gants de la chirurgie dans ses mains. Car Ahmed Limi avait l'intention de commettre un crime. Il avait pris toutes les précisions pour ne pas laisser des traces ou des indices dans cette villa de Fontenay-le-Vicomte. Avec les gants de chirurgie dans les mains, il est entré directement au salon de la villa.
l'officier de permanence qui avait communiqué le message de Mohamed Hachachi immédiatement au commandant Ahmed Dlimi, qui se trouvait en mission à la capitale algérienne. Cet officier de permanence avait fait tout son possible pour retrouver le général Oufkir et lui communiquer le même message. Cet officier de permanence avait commencé par contacter Madame Badia Misnaoui, née Ammou, chef du secrétariat particulier du général Oufkir au ministère de l'Intérieur, qui lui avait communiqué les coordonnées du général Oufkir ce vendredi 29 octobre 1965. L'officier de permanence avait contacté immédiatement le numéro de téléphone de Kénitra, où se trouvait le général Oufkir, et c'est le numéro de téléphone de la villa de Madame Dahan. Madame Dahan est la juive qui gérait le cabaret Le Mamas et qui est agent du Mossad au Maroc. Madame Dahan n'a pas voulu communiquer le lieu où se trouvait le général, mais il lui a confirmé que le général est à Kénitra. Pour le retrouver, cet officier de permanence avait contacté à Kénitra un agent d'information du département de la contre-subversion dans le Gharb. Dans la ville de Kénitra et toutes les villes de la région. Cet agent
s'appelait Ahmed Arbab. Ahmed Arbab. C'est un ancien voyou à la base américaine de Kénitra. Devenu officiellement inspecteur de police. Inspecteur de police et antenne d'information de la contre-subversion dans les villes du Gharb. L'officier de permanence a fait un saut à Kénitra pour rencontrer cet agent d'information. Cet agent d'information connaissait très bien où se trouvait en ce moment le général Oufkhir. Ils sont allés tous les deux dans la zone agrumicole. La zone agrumicole de Fouarat. Fouarat se trouve à 6 ou 8 kilomètres de Kénitra, en allant vers Tanger. Dans cette zone agrumicole, sur la droite, en allant à Tanger, il y avait des pistes. Il fallait entrer, faire quelques kilomètres et arriver dans l'une des deux fermes où le général Oufkhir avait l'habitude de passer ses 1001 nuits. Dans la villa de chaque ferme. Ces villas étaient très belles. Il y avait dans ces villes-là des colonnes. C'est le style de construction coloniale. Les deux policiers sont entrés dans le salon de la villa et ils ont trouvé le général
en train de le général était habillé d'une qashaba, il se trouvait parmi une dizaine de filles, de jeunes filles chiquettes. Ces jeunes chiquettes étaient âgées de 14 ans environ. Il y en a même qui étaient âgées de 12 ans. Le général jouait du bendir. Le bendir avec ses jeunes surettes, et il y avait les jeunes hommes qui jouaient avec des violons et les autres instruments de musique. Le général avait s'était couché à 7 h du matin et ne s'était pas réveillé. C'est ce que nous ont dit c'est ce que ces jeunes chiquettes ont raconté à l'officier de permanence. L'inspecteur de police, agent d'information de la contre-subversion, avait quitté les lieux et a laissé sur place l'officier de permanence qui devait réveiller le général et lui raconter la raison pour laquelle il se trouvait là. Le général, pour le dessouler, il fallait du temps. Il a été traîné jusqu'à la douche et a pris quelques cafés très forts. Après s'être réveillé, il avait compris le message de l'officier de permanence. Après, l'officier de permanence est entré au siège du Cap 1. Quelques instants après, le général Oufkir l'avait rejoint au Cap 1. Et là, on va nous faire un lien, Inch'Allah.